Hello, hello, mes abonnés, bienvenue sur la chaîne Cristal. J'espère que vous êtes tous sur la chaîne Cristal. Désolée si j'ai pas posté de vidéo hier, je savais pas quoi vous poster, j'avais plus rien à vous mettre là, donc je suis sincèrement désolée. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler. D'un. Printemps. Des. Ah, bref. J'ai envie de vous parler de. De toutes les plateformes qui existent pour voir des films en streaming. Voilà. Alors moi j'ai. Vous allez voir la liste, elle est longue. Hein. Netflix. Amazon Premium. Amazon Premium. On est tellement, vous savez, les amis, que. Maintenant, ils viennent d'acquérir toutes les tout le groupe de Canal Plus. Je viens d'acquérir donc j'ai OSS aussi d'Orange. Parce que c'était compris avec Canal Plus aussi, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des trucs que vous connaissez pas aussi. Attendez, je vais regarder, je vais vous dire ça. Ah non, on a dit Netflix, on a dit Amazon. C'est pas celui-là, c'est Premium Vidéo. Ensuite, on a dit qu'on avait Disney Plus. On a dit qu'on avait aussi un nouveau qui vient de qui vient d'arriver, c'est un nouveau qui vient d'arriver, c'est Max. Max, je sais pas si vous connaissez celui-là. Max, aussi va. Ah, j'ai aussi ma Canal VOD. Ma Canal VOD, ma Canal aussi, voilà, j'ai les deux aussi. Ensuite, j'ai j'ai déjà dit pour la vidéo. On est tellement. Ah, j'ai aussi Paramount Plus. Je crois que c'est compris aussi avec ma Canal aussi, voilà. Et sur Max, je recherche l'application Max. Désolé pour vous montrer un truc. On va parler de ça si je dois arriver à retrouver l'application Max. Il est là. Max, ça se présente comme ça. Regardez, et ça coûte que 9 euros par enfin 9 euros et quelques par mois. Enfin, pas par mois, mais je sais plus. Bref, j'ai payé ça moi. Bref, faut pas regarder ce qui est en train d'arriver parce que c'est. Des 2 secondes parce que là ça commence à me saouler parce que je voudrais vous montrer un truc mais il y a toujours un truc qui vient me casser quasiment. Hop, c'est bon, au revoir. Ensuite on retourne sur Max, voilà, ça se présente comme ça, vous voyez. Et moi ce que je voulais vous montrer, non je vais même créer ma liste moi. Hein? Donc vous avez, je sais pas, elle est passée où? Ouais. Ça c'est pas Game of Thrones, c'est la suite de Game of Thrones. Je crois que Game of Thrones c'est là, je crois, si vous voulez le voir. Et là vous avez la suite de Game of Thrones. En fait. Voilà. Et j'en sais que saison 1, épisode 3. J'en suis. Voilà. Ça vous intéresse si vous voulez aller voir. Mais il n'y a que là-dessus. Ailleurs, vous n'allez pas trouver ailleurs. Ah, j'ai aussi. Non, c'est pas ça, c'est. J'ai encore un autre site, mais je me rappelle plus du nom. Parce que j'en ai tellement des sites que voilà quoi. Donc j'ai payé normalement, si je me trompe pas, moi j'ai payé 20 euros. Ma Canal. Enfin, Canal Plus et tout le bastard. Hein. C'est quand tu prends Canal Plus, en fait, tu me dis, ah non, faut prendre ma Canal. Donc j'ai pris ma Canal. C'est 20 euros pour 2 ans, si je me suis pas trompé. Donc ça va encore. Max, j'ai pris pour 9 euros et quelques, je crois, abonnement. Hein? Netflix, il est à 5 euros et quelques. Faites les calculs, je me retrouve pour 50 euros, je crois, par mois, à tout payer. Voilà. Mais moi, en fait, moi, ce que j'aime, enfin, ce que j'aime moi, mais ce que j'aime pas, je vais vous dire. En fait, c'est bien de faire des abonnements, de payer un abonnement. Mais s'il faut repayer encore pour chaque film que tu veux voir, c'est mort, niet, nada.
Sur, je sais plus si c'était sur Prime Vidéo. Enfin, je sais plus si c'était sur Cassette aussi que ça m'a fait ça aussi. Voilà, et je déteste ça. Je les avais appelés, hein, pourtant je les ai contactés. Ils disent, ouais, mais prof, faites un abonnement, c'est pour après qu'on repaye par derrière, en fait. Alors, c'est bien beau de faire des petits prix pour l'abonnement. Mais en fait, t'as rien pour dans l'abonnement, en fait, de gratuit, en fait, t'as rien pour ainsi dire, en fait. Si tu veux voir un bon film, t'es obligé de payer. Donc, c'est vraiment galère. Je vous jure, les amis, c'est vraiment galère. Bref, j'ai rien compris. Bref. Voilà. Donc, je vous explique quoi. Voilà. Il y avait encore un autre truc, mais je me rappelle plus. Ça s'appelle Poule. Et Poule PO TV. Ça, c'est gratuit. Vous téléchargez, c'est gratuit. Vous pouvez voir toutes vos tout ce qu'ils vous mettent dessus. Vous pouvez le voir 1 million de fois. Vous pouvez voir tous les épisodes. Il n'y a que ça. Mais par contre, il y a plein de pubs, par contre. Les pubs, il y en a plein, par contre, là-dessus. Là, je vous montrer là. Il est là, le logo. Attendez. Voilà. Le logo, il est là. Voilà. Et ça, c'est gratuit. Vous téléchargez, c'est gratuit, vous pouvez voir. Voilà. Donc, vous avez Hélène et Garçon, vous avez le miracle de l'amour, vous avez le premier baiser, vous avez tous les trucs comme ça. Là. Mais les abeilles, salut musclé, je crois, il y en a tellement, tellement là-dessus. Et gratuit. C'est gratuit, vous avez juste à télécharger, c'est gratuit. On paye pas d'abonnement pour ça, va. Moi, j'ai vu un village français, j'ai vu la série. Qu'est-ce que j'ai vu encore d'autres? Bref, il y a MacGyver, il y a des films aussi, il n'y a pas que des séries aussi. Il y a des films, des séries, des émissions, il y a de tout là-dessus, là, et c'est gratuit. Ça vous intéresse, les amis. Disney Plus, ben, vous connaissez. Voilà. Il y a tout ça si ça vous intéresse, les amis. Voilà. Vous avez même ça là. Truc là de Netflix. Non, de pas de Netflix, de Free, pardon. Je suis fatiguée, moi. De Free là, vous voyez? Ça là. O. C'est O. Non. O, Q. Ouais, en plus, c'est bien marqué Free. Hein. Vous avez ça aussi. Ah, aussi, Paramount. Paramount Plus aussi. Pardon, il est là. Je sais pas si vous voyez bien. Mon logo. Voilà. Donc moi, j'ai voulu télécharger des applications sur ma télévision, pardon, pour pouvoir regarder des choses en streaming. Voilà. Parce qu'à la télévision, il n'y a que dalle. En fait, j'ai tellement que c'est nul. Voilà. Et moi, j'adore regarder les anciens films d'avant. Dites-moi en commentaire quel est votre film préféré à vous. Parce qu'on va parler de. On va parler de ça. On va parler de ça, exclusivement de ça, on va parler. Tu veux français ou c'est comment toi? Désolé, en même temps je fais du. Il y a beaucoup de gens qui veulent mettre des trucs sur. Comment ça s'appelle ça encore? Sauf une tête, mais sauf que les prix ne correspondent pas parce qu'il faut prendre au prix que je l'ai mis. Point barre, c'est tout. Bref. Alors oui, je vous disais, quel est votre film préféré? Parce que dans la barre d'infos, vous allez mettre votre film préféré. Pour voir comme ça, quel style vous aimez, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas vraiment un style. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, j'aime les films de Luc Funès, Bourville, Fernandel. Tout ça, j'aime. Ça, c'est mes préférés. Voilà. Mais ce que j'aime aussi, c'est tous mes films qu'il a fait. Lui de Funès. En noir et blanc, je kiffe ces films-là. Moi, c'est un truc que je peux aimer, mais un truc de ouf, en fait, pour vous dire, les amis. Voilà. Et donc, en fait. Donc en fait les amis pour vous expliquer la chose désolé téléphone Minitel il me saoule voilà désolé
Donc moi j'aime bien ces films-là, voilà. Après j'aime bien les films avec comment il s'appelle? Avec Christian Clavier aussi, voilà. J'aime pas tous les films, hein, parce que Momo, j'aime pas. Spirou, je l'aime pas. Voilà. Mais sinon, il en a fait pas mal que j'aime bien. La Soif de l'or, je kiffe. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Une heure tranquillité, j'ai kiffé, mais grave. J'ai kiffé aussi À bras ouverts aussi. Voilà. J'ai kiffé. Ah bref, il en a fait tellement aussi. Le Père Vésinu est une ordure. Il a joué aussi dans Les Bronzés aussi que j'ai largement kiffé. Aussi, voilà. Bref. Voilà, donc ça c'est mon deuxième. Enfin, j'avais le Tunès, Bourvil, Fernandel et tout ça. Donc ça je les mets tous dans la même case. Voilà, donc on va dire c'est un seul. Voilà. Et lui. Voilà. Il y a aussi Coluche aussi que j'ai trop aimé aussi. Coluche aussi, voilà. Aussi. Voilà, les maîtres d'école, Banzai. Bon, bref, je vais pas tous vous les nommer, mais il y en a tellement que j'ai kiffé, 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 kiffé de le voir. Voilà, pour vous, les amis. Je kiffe tous ces genres de films-là. Voilà. Après, j'aime Scarface, Amélie Poulain, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il y a un autre film aussi que je kiffe aussi, ça s'appelle, que je regarde tout le temps, mais. Il y a des films que je regarde tout le temps aussi, c'est L'Auberge espagnole et Monsieur Ripley. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Ripley, je sais plus quoi. C'est Monsieur Ripley ou je sais plus. Ça se passe en Italie le film. Mais vraiment dans les années, je sais pas combien là. Et c'est trop beau. Oh, c'est trop trop beau, franchement. Je kiffe ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ah oui, Scarface. Ah oui. Je suis pas trop film américain, mais j'aime Scarface. Casino, pas le film de James Bond, mais le casino de Al Pacino. Le Parrain. Aussi, j'ai bien aimé Le Parrain aussi, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi que j'ai bien aimé aussi. C'est une fois en Amérique, c'est une fois. Bref. Voilà, j'ai pas mes. Voilà, vous savez, c'est quoi mes genres de films que j'aime. Voilà. Voilà. Mais c'est surtout les films anciens. Les films nouveaux, je n'aime pas. Les films américains, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon style, voilà. Voilà. Alors, peut-être, il y a des acteurs que je vais pas aimer. Enfin, bref, que je vais pas aimer. L'ère de DiCaprio, par exemple. J'adore, je kiffe, voilà. La plage, Titanic, Roméo et Juliette. Le masque de fer, bref, voilà. Je vais vous sortir toute la liste parce que j'aime presque sauf The Oscar. Je sais pas quoi là, j'ai pas trop aimé. C'est The Oscar, je sais plus quoi. Oui, il y a Rebelle aussi, je sais plus quoi là, qu'il a fait aussi avec ça. C'est sûr qu'il fait celui-là aussi. Voilà, vous voyez, des acteurs. On va aimer un film, on va aimer plusieurs films, ça dépend. Patrick Bruel, il y a un film de Patrick Bruel que je déteste. Le prénom. Mais quel est l'inventeur qui a inventé ce punaise de film? Voilà. C'est comme, je sais pas si vous connaissez, voilà, je vais vous dire ça. Le film que je déteste le plus. Le prénom. La Belle Verte. La Belle Verte, ils sont tous en train de faire. Qu'est-ce que ça peut être con, ce film-là? Bref, ça faisait tellement longtemps que je l'avais pas vu parce que je l'avais vu au cinéma, mais c'est pas moi qui avais payé à l'époque. C'est à l'époque que j'étais jeune en 1997. Bon, bref, je sais plus. Bref, j'étais jeune, voilà. J'étais dans un foyer à l'époque, donc ben, je l'ai vu au foyer, voilà. Pour vous dire à quel point, il y a des films, ils sont nuls. Mais nuls de chez nuls. Voilà. On me dit, ouais, le prénom, c'est super bien. Ben non, ils sont tous, je crois, ils sont tous. Ah, bref, je sais plus. Bref, je sais même plus tes mots que j'ai pas aimé. Bref, voilà. Vous voyez, je vais pas vous dire tous les films que je kiffe, voilà, mais j'en kiffe pas mal, voilà. Vous voyez? Mais franchement, j'en aime beaucoup, énormément. Des films de Bourvil, Fernandel, machin, et voilà. Bref, ça c'est mes préférés. Voilà. Surtout en noir et blanc, c'est les meilleurs. Voilà. Il y a des films de Jean Lefebvre aussi que j'aime bien aussi. Je sais pas, de Jean Lefebvre.
de Paul Prébois, aussi que je kiffe aussi, voilà. Vous voyez? Voilà. J'aime pas tous leurs films, mais certains de leurs films, je kiffe. Voilà. Voilà. Après, dites-moi en commentaire quel est votre film préféré de vous, parce que moi, j'ai pas spécialement un film en particulier que je pourrais vous dire que j'aime. En fait, et que c'est le premier, le meilleur de tout ça. J'aime aussi les films avec Robert Peterson, ou je sais pas comment il s'appelle, bref, l'acteur là. Il est beau déjà. Je le kiffe déjà. Si vous connaissez qui c'est ça qui a fait Twilight. Il a fait Twilight, il a fait un autre film. Pépite, 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 pépite. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, mais je l'ai surkiffé, voilà. Je l'ai surkiffé. Franchement, j'ai surkiffé. Voilà, les amis. Donc moi, pourquoi je vous ai parlé un peu de tout ça? Parce que bah, j'aime bien discuter avec vous et savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, parce que bah, on est une communauté et que bah, ça me fait plaisir. Voilà, ça me fait énormément plaisir d'avoir toujours des bons commentaires. On est une famille maintenant, on est une team, on est une famille. Je sais pas comment je vais vous expliquer ça, voilà. Bah, il y en a qui vont me dire, ouais, non, encore qui vont me critiquer encore parce qu'il y a toujours un. Sur le petit commentaire, je vais toujours recevoir un. Voilà. Je sais pas, mais quand je me vois dans la caméra, je me vois là. Toutes mes veines qui ressortent là. Ouh, ça fait un peu espèce, vu que je suis blanche. Vu que je suis trop blanche en fait. Bon, bref. Voilà. Et je sais plus, je vais vous parler d'un autre sujet pour une prochaine vidéo, mais je sais plus ce que c'était. Bref. Voilà quoi, les amis. Ouais, et en plus, j'ai eu un problème avec Vinted parce que Vinted bah, m'a refusé. Juste Zelda parce qu'il a pas trouvé ça normal que je puisse le vendre plusieurs fois. Mais en fait, je l'ai pas vendu plusieurs fois, je l'ai même pas vendu. Il m'a accepté un Zelda, mais l'autre Zelda, il ne l'a pas accepté. Donc voilà. Parce que soit les gens ils prennent, mais je veux pas leur renvoyer parce que bah, j'ai pas de truc à côté de chez moi pour leur envoyer. Voilà. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Voilà quoi. Ben non, il y a encore là le truc. Qui t'a dit que. Ah ben oui, c'est pour ça. Désolée, hein. Je fais 42 millions de trucs avec vous à la fois en même temps. Désolée, hein, les amis. C'est bon, on va mettre ça, voilà, tac, comme ça c'est mieux, comme ça, voilà. J'avais pas quoi mettre en fait, hein, voilà. Ouais, donc vous allez voir après, je me suis fait un petit plaisir sur Vinted. Ouais, et peut-être que je m'en ferai un dernier et après, ceinture. Ceinture après, parce que j'ai pas envie de me faire. Bref, donc je vais attendre jusqu'à demain et tout l'argent qui j'attends. Voilà. J'attends qu'on verra demain qu'est-ce qu'il y aura sur une tête. Et ben, je le passerai sur mon compte Revolut. Voilà. Et en plus, on est en pleine vidéo et je vous raconte ça, moi. Normalement, c'est du privé, parce que c'est du privé. Mais bref, je suis partie dans un truc là. Bref les amis, je vais vous laisser là. Parce que ça sert à rien de laisser la vidéo pendant 3 millions d'années si on n'a plus rien à se dire. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre encore? Maintenant, sur Netflix, ils ont fait aussi la publicité. Ils mettent beaucoup de publicité maintenant. Voilà. Alors qu'avant, ils mettaient pas. Voilà. Et ça, c'est encore pour se dire, on va faire des petits prix parce qu'on va mettre beaucoup de publicité. Comme ça, moi, les gens sont contents. Moi, ils vont plus s'abonner. Voilà. Bref, moi, je m'en fous. Moi, je m'abonne. Voilà. Parce que moi, je passe pas mes journées à. Voilà. Pas tout le temps, mais de temps en temps, je regarde des films, des séries, des trucs. Voilà. Donc, après tout, je sais pas. Pour vous dire, les amis, voilà.
Bon, sur ce, les amis, je vous laisse là. Je vous dis, bah, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de liker, partager, de commenter, de vous abonner, les amis. Mille bisous à tout le monde et mille bisous à tout le monde. Et merci encore d'être là, d'avoir regardé ma vidéo. Voilà. Mille bisous à tout le monde. Voilà. Et je vous dis. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Crystal. Bisous les amours, je vous aime.